Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le parc de Noisiel pour l'Oxytrail 23, mais en fait 24 km. Il y a 500 de D+, et à première vue c'est une course assez sympathique. Le parcours est vraiment pas mal pour une course parisienne, on va dire. Donc du coup, bah, c'est la première fois que je vais le faire. Je suis vraiment curieux de découvrir ça. En tout cas, il y a beaucoup de monde, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a un 13 km, il y a des 1 km pour les enfants, il y a une course vélo, enfin bref. Ça a l'air d'être une très très grosse organisation quand même. Donc ce que je vous propose, c'est que le départ il est dans 5 minutes, donc on y va. Alors on se dirige dans le sas de départ et on a le premier ravito. Ça c'est un truc de ouf quand même. Et il y a Vincent avec nous, Discover Run, qui était là à Jog Day. N'hésitez pas à aller voir ses petites vidéos. Hop, il va filmer aussi. C'est meilleur hey. Bravo. Allez, c'est parti. Il y a les copains qui étaient avec moi sur le Speed Paris. Et il y a Emir qui est là avec un sac de 70 litres parce qu'en fait il va faire 70 tours. Ouais, je m'attendais pas à te voir ici Emir, ça fait plaisir. Bah tu sais que c'est chez moi ici Joe. Oui, je sais que c'est chez toi. C'est chez moi, parce que mais je te trouve à 6 km exactement de chez mon domicile. Non mais ça fait plaisir de vous croiser. Bah pareil. Je pensais être tout seul comme un pauvre type et au final, tu vois, ça fait plaisir. Je crois qu'il y a un peu beaucoup de monde par là-bas. Ah, premier kilomètre. Oui. Petit champ, c'est très champêtre. On va aller sur le château aussi, c'est super. Ah oui, il y a un château. Ah ouais, c'est cool. Tiens, je découvre le parcours au fur et à mesure. Putain, c'est carrément cool ça. Sur un trail, il y a de la musique. Nice. On se prend au marathon de Paris quoi. Beaucoup beaucoup de monde, petit embouteillage. Mais on est bien à l'ombre là. Bah ouais, nickel. Tranquille hein. Petit changement de décor dans un sous-bois. Franchement, c'est bien sympa pour l'instant. Donc là, château de Versailles. Ah, c'est pas Versailles. Champs-sur-Marne, ça s'appelle. Ah, Champs-sur-Marne. Champs-sur-Marne. D'accord, donc château de Champs-sur-Marne. Ok, bah c'est très joli. Et du coup, tu t'entraînes ici aussi? Ça arrivera vraiment qu'on arrive jusque là, jusqu'au jardin. Mais tu pourrais. On pourrait. Bah du coup, t'as un endroit bien sympa, parce que je peux te dire qu'à côté de chez moi, il n'y a pas de château. Ouais, merci. Petite fontaine et tout. Merci. C'est bien, les bénévoles, ils jouent carrément le jeu, c'est cool. À la fin, ils vont être fatigués. Ils nous encourager comme ça. Attends, c'est bien, on passe vraiment au pied du château, quoi. Oh, ravitaillement, sérieux? C'est cool. Allez. Merci. Trop classe, trop classe. Ah, ça va faire du bien. C'est ça qui fait un petit peu chaud. Merci beaucoup. Pas mal de choses. Oh, les petits bonbons. Oh, c'est speed, ça. Ouais. Trop sympa, toutes ces percules, là. Ravitaillement numéro 2. On est où, là? La ferme du Buisson. La ferme du Buisson. Centre culturel. Ouais. Salle de concert, spectacle. D'accord. Cinéma indépendant. Ok, un bel endroit quoi. Un super bel endroit. Non mais beau bâtiment. Et petit ravito. On t'aime. Ils ont mis des petites affiches comme ça partout, c'est cool. Bord de lac sympa là. Putain, ça envoie du pâté là hein. Putain, ils sont chauds les mecs hein. Ah, ils sont chauds de ouf. Ils font une sacrée course aussi hein. Je pense que tu finis rincé après ça. C'est quoi, c'est un petit théâtre extérieur, c'est ça? J'ai l'impression hein. Ouais, on dirait, ça ressemble à ça hein. Les arènes de Nîmes, c'est les arènes de... C'est les arènes de Noisiel. Oh, il y en a qui sont chauds. On perd pas de temps là, on perd pas de temps, allez. Emir qui est beau, qui est grand. Qui est tellement swaggy swag. Mais grave swaggy swag. Ah, c'est cool, il y a vraiment pas mal d'animation. Hein. Vraiment sympa. Emir avec son sac de 70 litres. Allez. Bah, il a de l'élasto. Et comme j'ai mal à mon téton, chose qui n'arrive normalement jamais. Bah, il va pouvoir me sauver ma course un petit peu. Et putain, elle découpe. Sauf qu'il y a des lames de rasoir à la place des dents. Elle découpe de l'élasto avec ses dents. Je l'ai filmé quand même, je l'ai filmé. Hein. Tu peux me le mettre. Merci. Aïe aïe aïe. Ça se voit qu'il est tout rouge, bien irrité. Tu te sens mieux là? Ah ouais, ça va me faire du bien. Ah, merci. Ah, ça fait du bien quand même. Merci Emir. T'es bon. Je t'en prie. Allez, on est reparti. Merci à Sophie et son cutter dans la bouche. Et éventuellement, parfois, le soir, quand je sors, ça arrive quelques fois par semaine. Est-ce que du coup, Emir, tu viens prélasser ton beau corps musclé sur cette plage l'été pour bronzer? Malheureusement, non, ça n'arrive que très peu. C'est un peu le syndrome de la Tour Eiffel pour nous, autour de Paris. Ah, ok. Comme elle est juste à côté, tu vas jamais. C'est un peu ça. Ok. Donc, nous n'aurons pas de chance, de peu de chance en tout cas, de te croiser cet été, presque nu, en mini-short très moulant. Il y aura très peu de chance, malheureusement. Dommage. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, les viewers. Je pensais avoir une exclusivité pour vous, mais malheureusement... Effectivement, c'est très joli. Ouais. C'est vrai que tu viens là, t'es refait, hein. Putain, j'ai l'impression qu'il y a des ravitaux vraiment très régulièrement, quoi. Tous les 5. Oh, tous les 5? Ouais. Putain, j'ai l'impression que c'est plus souvent que ça, quoi. Ah, oh, t'as belle musique encore. Je suppose qu'il est un peu comme ton cousin, c'est très sympa, Emir, par chez toi. J'aime beaucoup aussi. La Marne est juste là, elle est bord de Marne.
très sympa. Le meilleur coup de l'année où on peut courir. Sauf quand elle est inondée, comme c'était le cas. Il n'y a pas très longtemps. Cet endroit, cet hiver, pardon, c'était plus du tout accessible. D'accord. Ils sont immergés. Bon, un petit peu de marche pour récupérer. Petit bruit des insectes. Avec les copains au soleil, franchement, c'est cool. Parcours très très roulant, il y a 500 des plus je crois, mais c'est beaucoup de montées de berges, ce genre de choses, mais au final il n'y a pas de montée en soi quoi. Donc du coup parcours très très roulant et agréable, très agréable. Alors là on est en fin de peloton, donc ça commence à s'étirer, et on est en fin de course aussi, mais il y a quand même vraiment beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de ravitaux, vous l'avez vu, pas mal d'orchestres, donc je comprends pourquoi j'ai autant entendu de bien sur cette course, c'est vraiment cool. Là, le bord de la base, c'est très très cool, franchement. C'est vraiment agréable. Si t'as la chance de t'entraîner ici, c'est cool. Allez, nouveau ravito, ça va faire du bien parce qu'il fait très très chaud. Belle vue. Oh, il y a de l'ambiance là. Yeah, merci. Ah, grosse ambiance ici. La passerelle marque la jonction entre la base de verre dans laquelle nous étions il y a quelques instants. D'accord. Et le parc de Noisiel dans lequel se trouve l'arrivée. L'Oxytrail. D'accord, donc en gros, nous dirigeons vers l'arrivée plus. Tout à fait. Très bien. Merci pour cette info géographique, Emir. C'est une des rares fois de ma vie où je pourrais être compétent dans ce domaine. Regarde les filles, comment elles courent. À l'aise. À l'aise, les filles. Alors, il nous reste à première vue 400 mètres. On attend un petit peu Tom. Ça devient dur. Et en plus, ces derniers 400 mètres se font sur un petit montant faux plat un peu dégueulasse. Autant qu'on se le dise, du coup. Ah bah ça devient dur Tom. Ah ouais. Le Raptor est présent. Le Raptor est bien présent, ouais. Allez mec. C'est vrai, l'arrivée est très sympa ici. L'arrivée est très sympa. Il y a du monde. Une famille qui pique-nique. Merci. Oh, l'arrivée est juste là, magnifique. Et il y a du monde. Eh, hey, bravo les amoureux. C'est fini. Oh, salut, ça va bien? Et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Merci les filles, la belle petite médaille. 23 km en 2h47 à ma montre, donc un rythme tranquille. Mais mine de rien, il a fait vraiment chaud, donc pas si simple que ça. Après, c'est vraiment très plat. Le parcours est sympa, franchement. En tout cas, c'était vraiment super cool de pouvoir faire ça avec les potes. Ça a donné une bonne ambiance et tout. C'est très rigolo, des gobelets avec des pailles pour se servir de l'eau. Ça, c'est drôle. Bravo. Bravo à toi. Allez, podium. Bravo Tom. C'est trop cool. Je sais pas si j'ai vu la chocolaterie, ouais. Bah on est passé, il est marqué en gros chocolaterie. Ah mais j'ai peut-être pas fait gaffe du coup. Bon, on est passé à côté de la chocolaterie. C'est ça. Bravo Emir. Bon voilà, la course se termine, c'était très sympa avec les copains, franchement c'était un bon moment partagé. Course très sympathique, il a fait chaud donc c'était un petit peu dur. Mais vraiment le parcours est cool, je crois que j'ai loupé la chocolaterie à la fin, mais en tout cas on est passé devant. Franchement je comprends pourquoi maintenant j'ai entendu autant de bons avis sur cette course, c'est bien organisé, il y a une bonne ambiance et beaucoup de monde et tout. Non franchement c'est très très cool, donc une course à conseiller, franchement très bien. Le prix est raisonnable en plus et franchement l'orga est bonne. Donc à pas hésiter, voilà, un petit 23 km, ça fait du bien de faire une distance pas trop longue. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'espère que toi aussi, je te remercie beaucoup d'avoir regardé. Si t'as apprécié la vidéo, et bien comme d'habitude, tu peux t'abonner, tu peux mettre un like et un commentaire, voilà, ça fait super plaisir. Et puis demain, je pars pour les Dolomites pour la saison 4 du Walking Vlog avec 2 abonnés, donc c'est dans les Alpes italiennes. J'ai vraiment hâte d'y être et les vidéos arriveront très rapidement début juillet. Donc voilà, je te remercie encore une fois d'avoir regardé, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.